Yo, la fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbla depuis Montbado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Nous allons développer trois grands points pour l'information. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbla, je voulais remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbla pour l'information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Montbado Police, l'équipe TV Caraïbla, nous apprécions ça. Si c'est la première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé ou. Ou capable abonner avec TV Caraïbes et puis pas oublier ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification TV Caraïbes là et ça t'a impressionné nous en pile sous t'es capable aider nous grandir chaîne ça et bien nous pas perdre temps non là n'a déroulé avec information yo en oué groupe Kole Zepol pour Haïti campé qui gen là dans divers secteurs tant que vaudouisant protestants moslems association ak divers soit encore lancer un message l'amour, la paix et la solidarité en tout petit pays. Nous voulons partager quelques images locales parlement dans l'occasion 50e législature avec un parti dans le Sénat qui arrive dans le bout. Audience correctionnelle entre avocat l'État haïtien et avocat Sergine qui te prévoit fête lundi 13 janvier 2020, renvoyé pour lundi 20 janvier Cap Vini là à cause travail réaménagement Cap fait dans le tribunal première instance Port-au-Prince là. Eh bien, c'est information ça ou nous pote pour là. Nous pas perdre du temps, n'a pas commencé coulier ya. L'idée nous t'est venu depuis 4 ans, n'a prôné la paix dans pays ya, mais ça pour cochon ka marché. Nous t'est toujours d'ailleurs qu'on invite nous déjà dans plusieurs conférences qu'on fait sur la paix, mais ça pour cochon concrétiser. Mais 16 17 décembre nous te font congrès sur la paix, puis madame Fedora qui est là et Fondation Saint-Camille. Avec diverses autres entités, passé Chavangen, Fédération Protestante, tout est là, dans le moment. Et puis, je dis là, sous même initiation, sous même continuité, ça, eh bien, de concert avec Madame Fedora et Osakami, nous t'ai dit, nous avons comment rassembler toute petite terre et diverses entités différentes, catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, bonne continuité, moi, mais c'est les catholiques. Et c'est nous-mêmes qui vaudouons. Et bien, je te dis, c'est seulement ça qui a mené Haïti à l'écoute de l'Ouvrier. C'est dans la paix, c'est dans l'union. Et c'est nous tous qui pouvons mettre ensemble. Grain pas battre, c'est colonne qui bat. Vu que vaudouan lui-même est très tolérant, il est très accueillant, il est toujours ouvert de bois pour qu'il embrasse tout le monde ensemble. Et bien, c'est raison ça qui fait que nous avons initié ce mouvement ça. Et nous venons avec Fondation Osakami. Et puis nous disons, nous faisons collectif là, côté que nous faisons appel avec toute entité du national là pour que nous capables de faire un bagage collectif, pour que nous capables, au lieu que je dis, pour ces prières seulement, et par rapport pour commémorer le 12 janvier, pourtant c'était la mort que je dis, à tant pile monde est mort dans le jour ça, je dis, et bien je dis, nous ne pouvons pas commémorer la mort tout le temps, et bien nous commémorer la paix, l'union, pour faire capable de vivre meilleur demain pour petit nous. Population qui n'a grand goût, qui n'a pas l'école, qui a des problèmes, etc. Et pour nous, si Haïti est capable de changer. Et mouvement, mouvement, les épaules, nous sommes chités ensemble, nous venons à nous coller les épaules là. Gazak, ça veut dire que nous venons parler les royaumes d'Haïti, nous venons parler les lois sans Camille, Fondation sans Camille, nous venons porter un nom inéquipé pour tout Haïtien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt personnel. Et c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement d'accompagnement social. Un mouvement conscience, un mouvement l'amour, un mouvement tête ensemble, un mouvement collectif, côté qu'il y a une épaules nous ensemble pour nous faire un bagage. Solidarité a toujours en dedans nous, parce que nous portons de la génétique. Nous. Mais nous venons perdus sous chimère. Nous venons garder l'autre bagage qui venons garder plus d'importance pour nous. Et il est le temps pour nous recentrer les questions, pour nous remettre. Solidarité, fraternité à l'ami de nous, parce que c'est lui-même seul qui a mené nous dans la victoire, quel que soit ça nous voulons réaliser. Gagnant qui tire le son, gagnant pile qui pas tire le son. Mais, c'est leur pénétrer nanan, qu'on pourra le joindre, qui s'accorde dans le tout bon, et qui chimène le fait. Parce que gagnant pile qui découragé sous chimé en tout. Gagnant pile qui tellement goumé, pendant tellement l'année, yo vin rive l'on point, yo pa kon si an lè si a te. Mais yo besoin bras fraternel sa yo, pou yo kapab wè. Est-ce que yo ka mache vrai l'on bagay si yo?
code d'instruction criminelle là, c'est article 51. Dossier a été acheminé à doyen. Et doyen a été voyé par juge Merlin Bélabre. Mais malheureusement, comme tu as une récusation et puis un dessaisissement des juges du tribunal de première instance, nous avons fait un rappel de cela au juge. Nous avons informé doyen et nous avons dit ça tout à commissaire gouvernement. Nous avons dit ça tout au CSPJ, au ministre de la Justice, ainsi que à M. Gassan, qui est directeur général de ULCC. Nous avons fait connaître que le juge n'a pas gagné possibilité, quant à présent, pour le travail sur le dossier. Et effectivement, nous avons appris que, par sagesse, le juge a retiré l'école dans le dossier. Donc, il n'est pas capable de poser acte jusqu'à ce que les retourner dossier devant greffe des canards, c'est-à-dire devant le bureau du doyen, et doyen lui-même, les gagnants, pour le temps qu'il a, coup de cassation prononcé, pour le capable de faire une nouvelle distribution de notre juge d'instruction. Ça, c'est dossier plainte contre les gens de la Sogénère, les membres de son conseil d'administration. Nous considérons que c'est une déclaration qui est inappropriée, qui n'a pas de place. Et nous avons fait une citation au correctionnel. Côté nous dit que Sogénère et les membres de son conseil d'administration commettent une infraction qui est prévue par l'article 337 du Code pénal. C'est lorsque vous réclamez pour tête ou un bien qui n'est pas pour vous, ou bien vous cherchez pour enrichir au détriment d'un bien de l'État. Alors, en ce moment-là, ou bien d'un tiers, nous avons fait une citation au correctionnel. L'affaire est enroulée et elle est distribuée devant le juge du lundi. Et nous sommes venus aujourd'hui pour le plaider. Mais malheureusement, il y a des difficultés techniques pour préparer ça là. Parce que tout le palais de justice fait l'objet maintenant de travaux de réaménagement, de peinture. Et dans la salle côté pour poser à le fait là, malheureusement, il n'est pas capable de faire. Et il a envoyé l'affaire pour lundi. Donc lundi, à partir de 10h, les avocats de l'État et puis les avocats de la Sogénère, il y a plat pour plaider pour ces dans citation correctionnelle ça pour escroquerie de ce que Sogénère et les membres de son conseil d'administration y ont réclamé des biens de l'État, de l'EDH qui part pour eux. À 10h, matin là, nous t'es les avocats de la Sogénère y étaient déjà là, nous parler, nous discuter. Et lundi à 10h à plat. Voilà. Équipe Tivika et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est Tivika Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.